Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, comme toutes les semaines, une vidéo retour de course. Alors je sais, la semaine dernière je vous ai dit que je ne vous ferai pas de retour de course cette semaine, ce serait plutôt une FAQ parce que je voulais faire un défi petit budget. Sauf que je me suis gourée de semaine, c'est la semaine prochaine en fait. Parce que cette semaine, j'avais zappé que ben, c'est la semaine du 8 mai et que je suis blindée de toutou, donc je peux pas m'amuser à faire un défi là, pendant que c'est un peu la folie sur cette semaine, quoi. Voilà, donc du coup, ce sera la semaine prochaine et là, je suis allée faire des courses parce que j'avais plus de cappuccino, mes amis. C'est pas possible pour moi de vivre sans cappuccino. Donc, j'ai été faire des courses, je suis allée chez Aldi. Et avant, je suis allée chez Action. Voilà, j'avais envie d'aller faire un tour chez Action. En fait, j'allais pour chercher un truc en particulier que je n'ai pas trouvé. Et au final, j'ai acheté plein de conneries. Voilà. Enfin, une connerie, non, j'ai pas acheté 3 tonnes de trucs, mais j'ai acheté quelques trucs. Et en plus, je suis trop contente. Ça m'a fait trop bizarre. Mais j'ai rencontré une abonnée. Ma première dans ma cambrousse. Je ne m'y attendais trop pas. En fait, j'étais au rayon des chiens, chercher des friandises pour les chiens, pour Galinette en particulier. Et du coup, là, il y a une jeune fille qui me voit, Virginie. Puis là, attends, je la connais pas, elle. Je la connais pas, donc dans ma tête, je me dis, c'est peut-être la maîtresse d'un chien que je garde et tout. Non. Non, ça peut-être me dit rien. Puis c'est là qu'elle me dit, bah, je suis une de tes abonnées et tout. Donc, bah voilà, j'ai rencontré ma première abonnée. Elle a dû voir à ma tête et j'espère que je suis pas devenue rouge comme une écrevisse parce que moi, je suis du genre timide. Hein, que là, je parle, je rigole et tout, mais en vrai, je rigole, mais je suis réservée, quoi. Je suis timide. Donc, en tout cas, ça a l'air de s'être bien passé. Ça m'a fait super plaisir de la rencontrer. Donc, si un jour vous me voyez dehors, n'hésitez pas à venir me voir. Ça me fera quand même plaisir. Voilà. Donc, bref, je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Action. Alors, bien évidemment, j'ai aussi acheté des conneries. Hein. J'ai pas acheté que des trucs très intéressants. J'ai acheté de la vaisselle. Faut que j'arrête avec ma vaisselle. Sérieux, faut que j'arrête. Mais j'aime trop les trucs comme ça. Des assiettes comme ça, un peu creuses, et celles-là, elles sont plus petites que celles que j'ai déjà. Et j'aime bien avoir des assiettes différentes, j'ai des plates, des creuses, mais qui sont pas grandes parce que j'essaye de faire attention à mes portions. Et j'en ai des plus grandes et des moins grandes, et celles-là, j'en avais pas de ce format-là, donc voilà. Et moi, j'aime bien quand elles sont un peu style terre cuite, là, comme ça, vous voyez. Voilà. Donc j'ai pris une marron, une bleue. J'ai pas pris 50 trucs de vaisselle, hein, mais j'ai pris ça. Du coup, j'ai vu le bol tout de suite, enfin le saladier, et je me suis dit, oh, j'aime trop. Et du coup, après, j'ai vu l'assiette pareil, donc je l'ai pris. Voilà, comme ça. J'aime bien. Parce qu'en fait, en plus, j'ai prévu de me faire une salade, et je me suis dit, ça fera joli dedans. Mais il faut que ce soit joli, les choses qu'on mange, sinon ça donne pas envie de manger. Enfin, moi, ça me donne pas envie de manger, fille. Voilà, donc j'ai pris ça comme vaisselle, après j'ai pris des friandises, il n'y avait plus des gros, il n'y avait que des petits, généralement je prends des gros pour Galinette ou les gros chiens, et je prends les petits bah, pour les petits chiens, donc il n'y en avait plus, c'est pas grave, j'en ai pris deux, parce que j'en ai plus du tout, il m'en reste encore quelques-uns des gros, mais des petits j'en avais plus du tout. Ensuite, j'ai pris des trucs plus pour la maison. Je suis désolée, il y a le soleil derrière. Enfin, y a le soleil est de retour, mes amis, ça fait plaisir. Mais du coup, je suis à contre-jour. J'ai pris des chaussettes. Et... Non, mais je perds toutes mes chaussettes, c'est pas possible. Je suis toute seule, je vis dans 25 mètres carrés, j'arrive à perdre mes chaussettes. Je suis tout le temps en train de chercher mes chaussettes. Enfin, j'en ai jeté pas mal aussi parce qu'elles avaient des trous à force. Mais du coup, bah, j'ai repris des chaussettes, il y en a 6 paires. Ça coûte vraiment pas cher, je sais plus combien ça coûte, mais ça coûtait vraiment pas cher. Je crois que c'est moins de 3 euros les 6. Donc j'ai pris des chaussettes. Enfin, c'est des soquettes. Pas des chaussettes, c'est des soquettes. Des chaussettes basses. Ensuite, j'ai pris. Ah oui, j'ai pris ça aussi.
Du shampoing pour Galinette, parce que là, et la boue, c'est plus possible. Hein. J'essaie de la brosser, mais ça y va pas, quoi. Donc, faudra que je l'emmène chez le toiletteur, mais bon, c'est au moins 80 balles. Donc, je sais pas si j'aurai assez de sous dans son enveloppe pour l'emmener chez le toiletteur. Mais bon, au moins, chercher du shampoing. Comme ça, je vais pouvoir au moins la laver. Mais je sais très bien que je vais la laver. C'est pour ça que ça m'embête d'aller chez le toiletteur. Je sais que je vais la laver 2 secondes après, elle va retourner dans la mare. Donc, payer 80 balles pour qu'au final, elle atterrisse dans la mare. Donc, je vais voir si vraiment elle a trop chaud. Et je l'emmènerai chez le toiletteur, moi, lui faire une petite coupe. Parce que moi, je lui coupe les poils, elle ressemble à un caniche, putain golden. Hein. Ensuite, j'ai pris quoi? J'ai pris ça, je suis à la dèche, je me suis lavée, mais j'ai plus de savon. Et je pensais que j'en avais encore parce que quand j'allais au Resto du Cœur, déjà que quand il y a les promos, vous savez qu'ils vendent par 3, généralement j'achète par 3. Comme je suis toute seule, ça va me dure longtemps, mais en plus au Resto du Cœur, ils m'en avaient donné je sais pas combien. Donc, je croyais qu'il m'en restait au moins une bouteille, mais non, je n'ai plus. Donc, j'ai repris du savon, j'ai pris du Surgras parce que moi j'ai la peau très très sèche. Donc, j'ai pris ça. Parce qu'avec la cortisone, ça m'assèche vachement la peau. Donc, je sais que le Surgras, bah, c'est bien pour moi, pour ma peau. Et j'ai pris du shampoing. J'ai pris celui-là. Érable guérisseur, huile de ricin et sève d'érable. Je pense qu'il va sentir bon celui-là. Enfin, bon, j'ai pris celui-là, puis c'était une grosse bouteille. J'ai regardé aussi au prix au kilo. Des fois, je regarde aussi pour le shampoing et tout ça au prix au kilo. Et au final, ça revenait moins cher. Enfin, ça revenait pas cher, quoi. Et pour finir, j'ai pris un masque pour les cheveux. Alors, c'est la première fois que j'achète vraiment des trucs comme ça. J'ai déjà une fois acheté un masque, je crois. Je sais même pas si c'était un... Non, c'était pas un masque, c'était une crème pour le corps, l'aloe vera. Voilà. Donc j'achète jamais chez Action. Bon, après, voilà. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc j'ai pris un masque. Et c'est pas écrit en français, mais en bref, c'est l'huile d'avocat. Voilà. J'aime bien les trucs comme ça, huile d'avocat. Quand il y a d'huile, c'est gras. Le gras, c'est bon pour tout. Peut-être pas pour tout, mais pour moi, c'est bien parce que j'ai les cheveux secs, j'ai la peau sèche, donc il faut du gras. Voilà. Sachant que quand je prends ma douche, je mets de l'huile sèche sur ma peau pour m'hydrater parce que tout ce qui est crème. Une fois, j'avais dit que j'étais allergique au soleil et il y a une personne qui m'a demandé pourquoi tu mets pas de la crème solaire? Mais parce que je suis allergique à la crème solaire, voyez-vous. Moi, j'ai la totale à chaque fois, la totale. Et il n'y a que les huiles, en fait, que bah, je ne fais pas d'allergie. Donc, du coup, bah, je mets de l'huile. Voilà. Oui, non, c'est ça que je voulais, c'était le ticket. Donc, j'en ai eu en tout pour 27,75 €. Voilà, un peu moins de 30 euros, mais bon, j'ai du gel douche, du shampoing, ça va me durer longtemps. Au final, les seules conneries que j'ai achetées, c'est de la vaisselle, comme d'hab. Comme d'hab. Bah, j'avais envie de me faire plaisir. Donc ça, je paye avec mon enveloppe loisirs, etc. D'ailleurs, je vous fais la vidéo samedi, c'est la vidéo budget du mois. Voilà. Ensuite, les courses. Ensuite, les courses, du coup, je suis allée chez Aldi. J'ai oublié de vous dire aussi, la semaine dernière, j'ai filmé une bonne partie de ce que j'ai mangé parce que vous savez que j'ai fait une semaine blanche, j'ai fait 2 semaines blanches en tout. Et la semaine dernière, je me suis dit que ce sera pour être sympa que je vous filme mes assiettes. Alors, il n'y a rien de... Il n'y a rien de cuisiné, il n'y a rien de ouf, hein. Mais c'est juste de l'assemblage, des petits trucs, voilà, pour que ce soit à peu près équilibré. Et je me suis dit que j'allais vous le filmer et que j'allais vous passer ça. Donc je vous mettrai à la suite de la vidéo. C'est vraiment juste pour vous donner des idées. Pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin non plus de faire des trucs et des machins pour manger finalement avec un petit budget. Tant qu'on a quelques trucs dans le congélateur. Voilà. Donc je vous mets ça à la suite. Du coup, j'ai pris des œufs. J'ai pris 12 œufs. J'ai pris du surimi. En fait, il me reste de la laitue iceberg. Je ne l'ai pas mangé.
Et je me suis dit que j'allais me faire une salade, parce que j'ai quand même le soleil de retour, hein, pour quelques jours, parce que la semaine prochaine il repleut, hein. Mais j'avais envie de manger une salade, donc je me suis dit que j'allais me faire une salade avec des surimi, des tomates cerises. J'ai pris aussi des carottes. J'ai pris un gros paquet parce que j'ai envie de me faire une recette. Donc je vous montrerai. Je pense que je vais vous la filmer pour la semaine prochaine. Vous allez voir un truc. Vous verrez. Voilà. Donc j'ai pris ça. J'ai pris des patates parce que je suis dans ma période patate. Vous savez, moi j'ai des périodes comme ça. J'ai envie de manger des patates et j'ai envie de manger des frites. Donc j'ai pris des patates pour faire des frites. J'ai pris du coton aussi, j'ai oublié. Il n'y en a pas chez Action, je crois. Du coton. J'ai pris du coton comme ça, c'est pour mon vernis d'ailleurs, faut que je refasse. C'est juste pour mon vernis, sinon j'ai des lingettes en tissu. Pour quand je fais ma piqûre et tout. Et j'ai des injections à me faire tous les soirs. D'hormones de croissance. Et au final, j'utilise tout le temps des cotons, finalement, tous les jours. Donc j'ai des lingettes pour me désinfecter et le coton c'est pour mon vernis. J'ai déjà essayé les lingettes en tissu pour enlever le vernis mais ça fait dégueulasse ça et j'aime pas. Donc je continue à prendre du coton, bon, c'est une fois de temps en temps. Voilà. Après je fais mon vernis une fois par semaine, hein. Je fais pas non plus, j'utilise deux cotons maximum. Je fais attention à pas dépenser trop de coton. Ensuite, j'ai pris des kiwis, 4 kiwis. J'aime bien chez Aldi, ils font par 4 des petites portions. Il m'en reste 2 en plus. Il me reste 4 pommes. 4 pommes, 2 oranges et 2 kiwis. Je ne mange vraiment pas beaucoup de fruits. Hein. Donc, j'ai repris des kiwis. J'ai pris des bananes. Justement, j'aimerais essayer de finir mes repas. C'est bon, j'ai envie de sucre après mon repas. Donc, je vais essayer de manger une banane ou un kiwi à la fin du repas. Voilà, je vais essayer de faire ça le matin ou le soir. Faut que j'essaye de faire ça parce que voilà. J'ai pris de la mayonnaise. De la mayonnaise et pris de la allégée. Pour mettre dans la salade. J'ai regardé la différence entre pour les calories entre la allégée et la pas allégée. Il y a 400 calories de différence quand même. Pour 100 grammes. C'est énorme. C'est énorme. Donc je sais pas, ce sera de la allégée. De toute façon, je m'en fous. De la mayo, c'est de la mayo. Enfin, moi, ça me dérange pas. Hein. Ensuite, j'ai pris des cubes de bouillon parce que j'en ai plus du tout. J'avais envie d'un concombre, il n'était pas cher, il était en promo à 85 centimes, donc je me suis dit allez, je vais me faire du concombre, je vais mettre ça dans ma salade, ça ira bien. Je me suis fait un petit plaisir, et je me suis pris du chocolat, 85% de cacao. Je crois que j'aime bien celui-là, et je sais plus, ça fait très longtemps que j'en ai pas acheté, j'ai du chocolat pour faire des gâteaux dans mon frigo, mais j'ai pas de chocolat à manger. Mais des fois le soir, j'ai des TCA et des fois j'ai envie de grignoter. Et des fois je vais grignoter vraiment n'importe quoi. Donc me dis, si je mange un carré de chocolat, déjà ça va me passer le goût. Il ne faut pas que ce soit trop sucré parce que le sucre appelle le sucre. Donc voilà. Donc j'ai pris celui-ci. J'avais déjà goûté le 70% et je crois que c'était 80%. Que j'avais goûté, je me souviens que j'avais préféré celui qui était le plus fort. Donc là, j'ai pris le plus fort à 85%. Je vais voir si c'est bon. Et pour finir, bien évidemment, cappuccino. J'en ai pris 4. Je me suis dit, comme ça va me durer tout le mois, j'espère. J'espère, c'est pareil, il faut que je ralentisse. Je me dis, tous les jours, je me dis, il faut que je ralentisse avec le cappuccino. Parce que c'est du sucre. Enfin, il y a quand même pas mal de sucre dedans. En plus, c'est viennois. Et en fait, le matin, je me lève. La première chose que je fais, c'est que je donne du sucre à mon corps. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je m'étais dit, je vais boire de la haricorée à la place. Mais
Mais j'arrive pas. J'arrive pas à en empêcher, donc bah tant pis. J'ai pris ça. J'ai pris 4 boîtes de cappuccino. Voilà. Pire, fallait que je garde en plaisir, au pire pour goûter, j'en sais rien. Je ne sais guère. Bref. En tout, j'en ai eu pour 28,50 €. Donc bah, je suis dans mon budget, hein. Je suis pas mal. Je me souviens plus c'était quoi mon budget du mois. 140 € pour le mois pour moi toute seule. Mais il y a 5 semaines, j'ai pas calculé du coup ça faisait combien. Enfin bon, la semaine dernière j'ai pas fait de course, donc déjà la première semaine c'est bon. Donc ça fait qu'il me reste normalement 35 € par semaine. C'est mon budget habituel. Donc là je suis à 28,50 €. Donc je suis pas mal. Je suis bien, voyez-vous. Voilà, c'est tout. Si vous avez des questions, posez vos questions. De toute façon, on se retrouve samedi dans la vidéo budget. Donc pareil, si vous avez des questions sur le budget, bah, posez vos questions. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous mets le petit défilé de mes repas de la semaine. Et puis, bah, on se dit à samedi dans la prochaine vidéo. Allez!